Good morgen, allez, Iden, et tu sois aujourd'hui le Mishmat François Vajiban Khana, Janine Rude Bafford de Mazal Fridna, Clojon Rouge, Shalom et Shaya, Ben Linda et Solvanish, le Bet Delmar. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet PA, Perek Gimel Mishnah Bet. Amenamer et Sadehu, Veshier Klachim Lachim. Rabbi Akiva Omer, Noten PA, Mikol Echad, Vechad, Vachachamim Omrim, Mechad Alakol. ומודים חכמים לרבי עקיבא באזורי השבט או חרדל בשלושה מקומות שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד. ומה תחדשויר דירקטמו למשנה, אפשר נספיקה ג'וסט, נמציא רפא לנפורטן, לסוג'ט דונות חוסם שפיט, עצי דפור פורניר דוונטאי, שכווה לנושאים לוקד דון לשפיט חבט, אסבור, לא סקו, עונה אנגרון שם, אסבור, לא סקו שקוי לשם, Si j'ai un champ que j'ai coupé en deux champs, alors selon des paramètres bien définis qu'on avait appris dans le Perek Bet, on va considérer que tu as devant toi deux champs et tu dois donner une PA pour chacun. Donc la problématique de notre chaîne, c'est de définir dans toutes sortes de conduites et de manières d'exploiter des champs ou de cueillir. Est-ce qu'on va considérer que c'est un champ ou deux champs? C'est la généralité. On avait appris dans la mission précédente, celui qui va planter des céréales entre les oliviers, il va en faire des carrés. Est-ce qu'on considère les carrés comme un grand champ ou bien comme plein de petits champs? Et à présent, on va avoir une nouvelle situation, c'est que cette fois-ci, on a un menamer et sadehu. Il va faire son champ comme un amer. Un amer, c'est un... Comment s'appelle? Un tigre. Pas aucun rapport. En fait, non, menamer, c'est considéré qu'il fait... Il fait des... Imaginez, regardez les tigres et les panthères avec celles qui sont tachetées. Là, on a la même chose. On a quelqu'un qui a un champ. Il a fait des trous dans son champ parce qu'il est venu cueillir un petit peu ici, un petit peu là. On va expliquer plus dans les détails, mais d'abord, on va se familiariser avec les mots. Donc on a quelqu'un qui vient être menamer sadehu. Il vient cueillir par-ci, de-ci, de-là, cueillir donc il fait des trous, il fait des espaces vides dans son champ. Veshir klachim lachim. Et il laisse, pour le moment, il laisse aussi des épis ou des gerbes encore fraîche. Situation un peu bizarre. Donc en fait, on a un champ. Imaginez, j'ai fait un plan de choses qui sont posables de PA. Et puis, je suis venu et j'ai arraché un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et du coup, mon champ, il est un peu comme une panthère qui a des taches sur son dos. Comme ça, des taches noires. Et bien, la même chose aussi, mon champ, il a ici un petit peu de légumes, un petit peu de légumes, un petit peu de légumes. Parce que je suis venu dans une première fois, d'abord, j'ai tout cueilli. J'ai fait des... D'accord? J'ai mal cueilli de partout. Rabbi Akiva Omer noten PA Mikol Echad Bechad. Eh bien, Rabbi Akiva me dit, écoute-moi, puisque maintenant tu as plein de petites. De petits potagers, maintenant du coup, tu avais un champ initialement, mais tellement que tu as cueilli n'importe comment, que tu as fait. Chacun est considéré comme un champ indépendant, donc tu laisses une PA pour chacun. Chaque nouveau groupe de légumes qui est resté, tu devras, eux, leur laisser une PA indépendante. Rachamé Mombrim, non. Mais Echad à la colle. Tu laisses une PA pour tous. Fin de la première partie de la Mishnah, et je continue tout de suite la Mishnah, après on va tout reprendre. Au modim Chachamim et Rabbi Akiva, mais ils reconnaissent Chachamim et Rabbi Akiva, Bezorea Shevet Ochardal, que si jamais ils plantent du Shevet, c'est l'anis. Mais plus précisément, l'anis, c'est comme le fenouil. Le fenouil, c'est la racine elle-même qui laisse pousser, qui encore fait pousser les tiges, ça pousse une certaine fleur que ça fait les petites graines d'anis. Ouais, les vieilles, les grands-mères tunisiennes faisaient pour les enfants qui avaient des coliques, ils leur donnaient du bêche-bêche. Le bêche-bêche, c'est l'anis, c'est les petites graines d'anis, d'accord? Donc ça, c'est l'anis, comme il nous dit le Bartanoa, anito. Et d'ailleurs, si on regarde dans le Rambam, je crois qu'il va pas rapporter, bêche-bêche, la chanrave, chevet, non, c'est plus rapporté. Et donc, on me dit, chachamim le rabbi akiva, bezorar chevet, que si jamais il plante de l'anis, ou du khardal, c'est fréquent en Israël, ça pousse sauvagement, les deux, chevet et même khardal. Khardal, je l'ai découvert récemment, il y a peut-être 3 ans, un enfant qui m'a fait, on était en promenade, en randonnée, il m'a montré que ça c'était du khardal, c'est la moutarde. Ça pousse aussi, ça pousse sauvagement en Israël, dans le Galil. Et donc, ils auraient chevet au khardal, ça c'est cette espèce-là, bishlosha mekomot en 3 endroits, chez unoten pa mikol echad vechad, il devra donner une pa, à chacun d'entre eux. Bon, on n'a à peu près rien compris dans notre Mishnah, d'accord? On va se calmer, on va reprendre calmement la Mishnah. Donc j'ai planté un champ de... Qu'est-ce que vous voulez? Allez, deux, on va prendre de
de blé. Planter un champ de blé, et puis un beau jour je débarque, et en fait c'est plus précisément, je débarque le jour où ça commence à fleurir, à atteindre le tiers de la pousse. D'accord? Plus précisément, il faut savoir, on avait dit ce qui est imposable de PA, on avait appris dans le premier chapitre, que ce qui est imposable de PA, il faut que ce soit quelque chose qui est l'équitato qui est echad, quelque chose qu'on cueille tout en même temps. Donc quand je plante du blé, en théorie, si je suis patient, il va y avoir un moment où le blé il va atteindre maturité, et je cueille tout en même temps. Ce qui se passe, c'est que malgré tout, rien ne pousse simultanément, en parallèle, au même moment. Il y en a qui vont pousser mieux que d'autres. Là où tu as mis ton fumier, par exemple, où tu as mis tes engrais, eh bien, ça va pousser mieux que les autres endroits. Là où c'est plus ensoleillé, mieux irrigué, moins irrigué, et dans les endroits, ça va pousser un petit peu mieux. Ce qui se passe, c'est que toi, maintenant, tu as envie de vendre du blé frais. Ouais, les gens, ils aiment bien manger du blé frais, comme ça, c'est bon à manger cru, même. Et donc, du coup, pour le blé frais, ce que tu fais, c'est que tu as planté ton champ, et quand ça arrive maintenant, dès que les premières pousses commencent à atteindre une certaine maturité minimale, tu viens et tu commences à cueillir d'ici. Tu cueilles d'ici, tu cueilles de là, tu cueilles par-ci, et du coup tu fais plein de trous. Ton champ maintenant c'est devenu, au lieu d'avoir tout un champ qui est uniforme, tu as plein de petits trous comme ça. Alors, sur ce que tu as déjà cueilli, le jour où tu es venu cueillir, c'est sûr qu'il faut laisser une PA pour tout ce que tu as cueilli. D'accord? Le chidouche il va être que quoi? Il va être que maintenant, les autres groupes de blé qui vont te rester, que tu viendras plus tard pour cueillir, qu'est-ce que tu en fais? Tu donnes une PA pour tous ou tu considères que tu dois donner une PA pour chacun? Et là, c'est là où on va avoir une marloquette. Et Rabbi Akiva va me dire, non, mais écoute, tu dois donner une PA pour chacun d'entre eux. Et Rabbi me dit, pas du tout, tu donnes une PA pour tous. Tu laisses une PA pour tous. Je n'ai pas bien parlé exactement initialement, parce que je vais vous expliquer mieux maintenant. Il y a ce qui se passe, là on a une question fondamentale. Est-ce que quelqu'un qui vient cueillir, alors que tout n'est pas encore cueilli, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore à point, tu viens vite arracher une première partie des légumes. La Torah insistait, ouvre kutzrechem et ketzir arotzechem, lorsque vous viendrez cueillir la cueillette de vos champs. C'est pas le moment de cueillir, mais il y en a quelques-uns qui commencent à être un petit peu cueillis. Est-ce que lorsque tu vas venir maintenant les cueillir, les arracher, ça s'appelle que tu commences à cueillir ton champ? Ou bien non, pour la plupart de ton champ, c'est pas encore le moment de cueillir, c'est pas encore l'environnement, donc c'est pas encore considéré comme une ktira. Si c'est pas considéré comme une ktira, donc pour le moment, tu as fait une cueillette ponctuelle de là et de là et de là, mais t'as pas encore commencé à cueillir ton champ. Donc vraiment, tout ce que tu as fait, c'est pas un début de cueillette. Bon, tout ce que tu as cueilli pour le moment, tu devrais laisser par rapport à ce que tu as cueilli, tu devrais laisser une PA. Mais par rapport à ce qui n'a pas encore fini de pousser, c'est pas encore le moment de cueillir, c'est pas encore imposable de PA. Donc c'est pas encore le début de la cueillette. De ce fait, maintenant, lorsqu'ils vont atteindre leur maturité, tu vas devoir laisser une PA pour chacun d'entre eux, parce que maintenant ils sont séparés. Ils sont complètement coupés entre espacés entre deux. Si chacun c'est un groupe, c'est un petit champ, c'est quand même un petit potager distinct, c'est plus considéré comme un seul grand champ. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Donc ils vont dire, non, ça va, tu plantes du blé, il y a du blé qui est déjà apte à être cueilli, tu es venu le cueillir, tu as commencé à cueillir ton champ de blé. De ce fait, tout ça c'est considéré comme un grand champ, tu laisses une PA pour tout en même temps. D'accord? C'est clair? Sur ça maintenant, il y en a la fin de la Mishnah, donc ça je reprends peut-être dans les mots, à Menamer et Tzadehu. Menamer, on en dit comme celui qui va faire des tâches. Ouais, les namers, ça vient, on appelle le namer parce qu'il a des tâches sur son dos. Donc, tout celui qui va faire son champ taché, il va rendre taché son champ, c'est-à-dire, il va avoir un petit peu, son champ, il est plus ou moins marron, d'accord, la tête de la terre sèche, et puis, par-ci et par-là, il va avoir un peu de jaune, un peu, donc, ça ressemble à un tigre, donc il a été ménamère son champ, et Vécher Klachim Lachim, et il a laissé d'autres Klachim, d'autres épis, qui n'étaient pas encore, qui étaient encore trop frais, et qui vont pousser ensuite. Rabbi Akiva Omer, on entend une PA, Mikol Echad Bechad. Rabbi Akiva va dire, tu laisses une PA pour chaque nouveau groupe, chaque tâche de blé, tu devrais laisser une PA indépendante, parce qu'elle n'a plus de rapport avec celui qui est à côté de lui, et tu n'as pas pu commencer à cueillir ton champ. C'est pas l'av atralata dektira, comme nous dit le Bar de Nora.
Les Khachamim disent non, ça s'appelle que tu as commencé à cuire. Lorsque tu es venu cuire déjà le premier blé qui a commencé à atteindre une certaine maturité, là tu as déjà commencé à cueillir ton blé. Tout ton champ. Et de ce fait, tu es venu faire une seule cueillette. Si tout est considéré comme une seule cueillette, c'est pas grave, tu ne cueilles pas tout de suite. Tu arrives à la fin de ton champ, tu laisses une part pour tout. Imaginez que moi j'ai mon champ de blé et j'ai pas de travailleur. Et je vais venir tous les jours, je vais consacrer 2 heures, et tous les jours je vais venir cueillir un petit peu de blé. Et ben, je ne suis pas obligé d'essayer pour chaque jour une part de PA. Tout ça, c'est un seul champ. Le dernier jour, lorsque tu viendras cueillir la fin, tu laisseras la PA conséquente sur tout le reste du champ. Même principe ici. Tu as cueilli, c'est le début du champ. C'est le début de la cueillette du champ. Tu patientes gentiment. Lorsque tu vas finir de tout cueillir ton champ, tu laisseras à la fin une PA pour tout ton champ. Au Modim Chachamim, les rabbins qui va maintenant, Chachamim sont d'accord que si toutefois tu as planté de l'anis ou de la moutarde, des graines de moutarde, alors là il faut faire attention. On parle, comme c'est expliqué dans le Mishnah Rishona, c'est le seul qui a expliqué clairement la Mishnah, sinon j'ai passé beaucoup de temps pour la commencer à la Mishnah, c'est que lui qui va bien expliquer la Mishnah. Il plante, on va dire qu'il plante de l'anis. Alors lorsque tu plantes les graines d'anis, il faut savoir. Le commun des gens, ça leur arrive dans leur champ, je ne sais pas pour quelle raison technique, mais ils ne plantaient pas un champ gigantesque d'anis. Ils plantaient des petits carrés comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, peut-être parce que c'est la place pour faire encore d'autres espèces, je ne sais pas pourquoi. Mais comme ça, il était d'usage de le faire. De ce fait, toi qui vas planter un grand champ, et que tu vas venir ensuite arracher un petit peu d'anis par-ci, un petit peu par-là, et tu vas faire maintenant des groupes, là, ils vont te dire qu'étant donné qu'il y a des gens dans le monde, il y a une quantité conséquente de gens que lorsqu'ils plantent l'anis, ils le plantent en petits carrés, en petits rectangles, de ce fait, toi aussi, même si tu as tout planté d'un coup, et tu es venu prendre un petit peu, à cause du maritime, que celui qui va voir extérieurement, il va croire qu'en réalité, ah, toi, tu as planté plusieurs potagers, alors quoi, tu veux dire à lui de laisser une PA pour tout, les gens ils vont commencer à dire que finalement, lorsque tu plantes plusieurs champs d'anis, tu peux laisser la PA d'un champ pour tous les autres champs. Et c'est faux. Parce que si c'est réellement des champs distincts, tu dois laisser une PA pour chacun des champs. Chez toi, concrètement, ce n'était pas le cas. Parce que tu as planté un grand champ, il devait prendre un petit peu. Mais à cause du maritime, que les gens qui vont te voir, ils vont tirer des conclusions mauvaises, tu as l'obligation de laisser une PA de chacun, de chaque petit groupe de plantes d'anis que tu vas avoir. Tu dois laisser une PA indépendante à cause, de nouveau, à cause de celui qui va te voir extérieurement. Je reprends. Donc j'ai un champ d'anis, je suis venu, j'ai arraché par-ci, par-là, j'ai fait des bandes, j'ai fait des trous comme ça, et j'ai laissé maintenant de l'anis de partout. En théorie, selon la loi stricte, ça aurait suffi de laisser une PA pour tout le champ, selon Chachamim, parce que c'est tout un seul grand champ. Mais puisque les gens ont l'usage de planter l'anis aussi par groupe et par petit carré, sans remplir tout leur champ d'anis, toi, tu devras de ce fait laisser toi aussi une PA pour chaque groupe d'anis indépendamment. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Seva.